Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur le jeu Dragon Ball Legends. On va essayer d'aller choper le nouveau Super Vegeta LF, accompagné également du nouveau C16 Sparking. Merci à tous ceux qui étaient présents hier lors de mon live Reveal and Stuff sur ma chaîne YouTube. Vraiment, cœur sur vous. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on est le 14 février. Alors, ouais, c'est la Saint-Valentin, etc. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que dans deux jours, eh bien, on a Dragon Ball Fusion World qui va faire son apparition. C'est quand même bien mieux qu'une Saint-Valentin. Là, ça y est, là, c'est bon. Ludivine, quand on va voir la vidéo, je suis foutu, tu vois. Non, les amis, sachez que ce week-end, je serai au salon Pictasia à Poitiers. Donc, s'il y a des gens de Poitiers, n'hésitez pas à venir m'y retrouver. Ça sera samedi et dimanche. J'y serai présent. Et je ne vous laisserai pas sans contenu ce week-end. Ce samedi matin, je vais vous préparer une vidéo qui va vous apprendre comment jouer à Dragon Ball Super Card Game Fusion World en version physique. J'avais déjà tourné des vidéos sur la version digitale. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe en physique. En vrai de vrai, c'est quasiment la même chose, mais comme Ludivine ne connaît pas les règles, eh bien, je vais tout lui expliquer, donc au moins, ça pourra vous apprendre les règles dans cette vidéo en mode tutoriel, et je vais essayer d'être le plus précis et le plus concis possible. Voilà, bref, on ferme la parenthèse, et maintenant, on va partir en invocation, les amis. Donc, palier classique, enfin, step classique avec 6 paliers, etc. On veut le Vegeta LF, on perd pas de temps. 3, 2, 1... Yeah! Et max de pouces bleus en mode Genkidama. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez chopé le nouveau Super Vegeta. Ou si vous attendez peut-être le nouvel Ultra. Gohan et CJ2 Ultra. Parce qu'à mon avis, d'ici 3 semaines, ça sent le Gohan et CJ2 Ultra. Franchement, ça sent le Gohan et CJ2 Ultra. On verra bien. Bon, glisser. Oh, Sparking Garantie sur une multi à 300, c'est pas mal. Sparking Garantie sur une multi à 300, c'est pas mal du tout. Ok, il prend même pas l'avantage. Oh, oh. Mais on commence bien, monsieur, pour 300 cristaux. Ryuken pour 300 cristaux. C'est pas mal du tout, tout ça. Ok. Goku, très bien. Attention, le Sparking. Slug. Bon, bah. On va prendre, mais... il est déjà 14 étoiles, alors il va pas me servir à grand chose. Très bien, bon, c'était Slug. Bon, au moins on a eu un Sparking pour 300 cristaux, mais bon. Allez, palier numéro 2. 3, 2, 1. Yeah! C'est parti. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir, le jeu. Petit super badge. Tada! Fais-nous plaisir dans les montagnes. Oui! Oui! Là, tu fais plaisir, mon garçon. Bah oui, Toshi. Quand on est dans les montagnes, ça fait plaisir. Bon, j'avoue, si Badak il serait venu, ça aurait été pas mal, tu vois, en animation, ou même le Trunks. Après, si Broly vient, c'est pas mal aussi. Si le SSJ Blue vient, c'est pas mal aussi. Et si Broly, en plus, il vient, c'est pas mal, il y a le Broly. Tu veux quoi de plus? Il y a le Blue, il y a le Broly. Tu choisis. On prend les deux. Voilà. C'est, voilà. Bon, s'il pète la dimension... s'il pète la dimension, ça garantit Super Vegeta LF. T'as compris ou pas? S'il pète la dimension, ça garantit Super Vegeta LF. Ah non, non il a pas pété la dimension. Mais sait-on jamais. Ok, LF. C'est Vegeta, mais c'est pas le bon. Bon, c'est le tag, pourquoi pas. On prend, c'est un tag et tout ça, ça permet de le monter en étoile. Ok, très bien. On prend. Dis-moi, il y en a encore un autre LF, ça serait bien, tu vois. Bon, normalement, il y a deux Sparking garantis parce qu'il y avait Goku Blue. Donc là, on a déjà eu le LF. Il en reste encore un deuxième au minimum. Ok. Dis-moi qu'il y en a encore. Non. Ok, bon. On va pas se prendre, on a quand même pris un LF. Il passe à 10 étoiles. C'est le tag père et fils du côté de Vegeta et de Trunks. On va pas cracher dessus. Il n'est pas 14 étoiles. Ça va. Allez, 3... 2, 1, tiens! Allez, let's go! Allez, maintenant là, c'est Trunks animation ou Badak animation, frérot. T'as compris ou pas? C'est. Hop! Non, mais qu'en feu! SSJ, oh putain, Badak, Badak, sur Namek en feu. Dommage, j'aurais bien voulu que Badak il vienne mettre son crochet là. Let's go!
Ok, Sparking garantie, Namek en feu, Goku et Seiji. Ça va, ça va. On n'a pas de la plaie de la Hesse là, ça va. Ça va. Goku. Salut. Très bien. Tenshinhan. Ok. C-17 flingué. C-17 flingué. Bergamax. Le fameux Bergamo flingué aussi. Tout ça pour le vieux C-17. C'est pas foufou, hein. Le vieux C-17. Ok. EX ou plus garanti? Bah nous, on veut le plus garanti. Le plus garanti, frérot. Ça, c'est, voilà. 3, 2, 1. Yeah! Allez, animation Trunks ou Badak, allez, là. Comme ça, on n'en parle plus, tu vois. Bon, après, ça peut être également le CC Sparking, ce qui serait pas mal en soi. Mais Super Vegeta, il est fait comme ça, voilà. Voilà, les montagnes, tu comprends quand tu veux. Maintenant, mes Badak. Maintenant, mes Badak. Tu comprends pas, ça. T'as compris les montagnes, t'as pas compris Badak. Glisseur, Sparking garantie, très bien. Broly. Broly. Yoré. Bon, Sparking garantie dans les montagnes. Ça peut tomber là-dessus. En vrai, ça peut tomber là-dessus, frérot. Ok. Donc là, c'est que de l'IX ou plus garanti. Donc déjà, on sait qu'on va avoir du plus garanti. Mais si ça peut être du plus garanti, tu vois, en mode Super Vegeta ou Goku et ses J2. C'est pas... C'est... Voilà, voilà. C'est pareil, quoi. Quelque chose près. Ou alors Kefla. Ou alors Vegeta, number Wanda. C'est compliqué ton histoire. Toshi, ton histoire elle est compliquée là. Ton histoire, frérot, faut revoir le scénario là, ça va pas. Non, quand je te dis il faut revoir le scénario, faut pas remettre des anciens scénarios avec sel, pampers, couche culotte. Non, ça, on a dit on laissait de côté, Toshi. C'est quoi que t'as pas compris? Ça, c'est fini ça. Ça, c'est. Non, c'est. C'est compliqué. Bon, très bien. On est au palier numéro 5 déjà. Ah ouais. Ah ouais. Max de pouces bleus, s'il vous plaît, les amis. En mode Genkidama, les 3, 2, 1. Yeah! Allez. Let's go là. Fais plaisir. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Ah, la paix de la Hesse. Ça faisait longtemps. Par contre, il y a Tao Pai Pai, donc Sparking garantie. Mais ça faisait longtemps, la paix de la Hesse. Il prend le dessus. Ok. Glycéor, donc Sparking, il y avait déjà Tao Pai Pai, donc voilà. Ok, bon, c'est Sparking garanti. Maintenant, quel Sparking? On ne sait pas, mais on va le savoir. Frost. Whis. Ok, hein. Très bien. Bon, Jack. Pareil, Kuan. 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 Krillin. Wesh, Gohan, Krillin, wow. C'est tout? Les amis, c'est une dinguerie. Allez, le palier numéro 6, c'est la gratuite. C'est maintenant, faut que ça tombe. 3, 2, 1. Ikizomina Itier! Allez, sur la gratuite, là. Fais-nous plaisir sur la gratuite, frérot. Tu l'as fait tomber. On n'en parle plus. Direct. Long chargement. L'espace. SSJ. Badak. Oui, Badak! Je le voulais, Badak! Je le voulais, Badak! Dans cette vidéo, on a fait que de la plaie, frérot! Bon, maintenant, c'est soit C16, soit Super Vegeta LF. Soit C16, soit Super Vegeta LF. J'avoue, je préférerais Super Vegeta LF, t'as vu? Après, si c'est 16, on prend quand même. Parce qu'au moins, on a un step, on a fait tomber un des deux. Ou pourquoi pas les deux en même temps? Ça c'est possible aussi. Let's go. C'est 16, on prend. J'allais dire, ça va, ça va. Franchement, ça va. En un step, on a déjà fait tomber le C16. Donc, je prends Badak. J'ai fait que de l'appeler, les frérots. Il a compris, ça y est, il est venu. Il est venu, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ok, il y en a encore un ou pas? Est-ce qu'il pourrait encore y en avoir un de caché, tu vois? Oh. Ça c'est Thalès, c'est pas pareil, ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Yamcha.
Gohan. Broly. Ok, bon. Les amis, on va pas se plaindre, on a déjà fait tomber ces 16. C'est quand même pas mal, j'ai envie de te dire. En un step, on fait déjà tomber ces 16. Il reste plus qu'à faire tomber le Super Vegeta LF. On fera ça en live. Et puis c'est pas mal. Max, le pouce bleu, votre bip, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, je le redis également en fin de vidéo, je vais vous préparer une vidéo tutoriel pour vous apprendre à jouer à Dragon Ball Fusion World. Et puis également pour apprendre à Ludivine à y jouer, parce qu'elle ne sait toujours pas y jouer, donc comme ça, elle va écouter dans la vidéo. Hein. Une élève studieuse, du moins j'espère. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.